Ben oui. Ça, on appelle ça un inédit. On appelle ça Arthur H et son nouvel album. Là, là, il m'a pas rendu ça facile, le titre. Et en plus, c'est un titre en anglais. The Goldest of Love in the Businessman. Oh, ça, c'est... Hey, wow! Je m'impressionne! Tu t'impressionnes toujours, Lina Lu. Lina, tu sais pas. Lulina, lulina, lulina. Mon émission des bisous. Et puis, non, c'était mon imitation d'Edith Butler. Et non, ils veulent l'entendre. Ils veulent pas l'entendre, voyons donc. Non, c'est... Ils sont aussi hystériques que toi. Non, 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 non. Non, vous l'entendez pas, hein? Regarde. Non, mais regarde pas, mais... Parce que... Non, je vois rien. Je vois rien. À la radio, là, je vois absolument rien. Non, non, mais t'entends pas. Ah! Là, tu es rendu que tu me tutoies! Non, ben, je vous vois, mais parce que là, on s'est parlé pendant la chanson d'Arthur H. Vous dansiez, je me suis dit, voyons donc, ouais. On se croirait dans un bar de danseuse! De danseuse, hein? C'est... Non, mais vous dansez bien, hein? Oui, 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 oui. Ça, là, ça a commencé! Ah, non, non, non. On veut pas savoir comment ça a commencé. Oui, oui. Oui, oui, ça a commencé lorsque j'ai fait... Parce que moi, tu sais que je suis un metteur. Tu es un... Vous êtes un metteur. Ah, oui, je suis un metteur. Je mets... Je suis un metteur en scène. Et je mets des fois en scène... Mais c'est enceinte. Oui, oui, s'il vous plaît. Essayez pas de chercher. Ah ben non, 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 mais c'est la vérité. Alors donc, la danse, moi là, je l'ai dans le corps. Tu sais que John Travolta a eu son professeur, il l'a jamais nommé, il l'a jamais... Moi je le connais, mais je me souviens plus de son nom. Vous le connaissez, mais je ne savais plus son nom. Ah non, non, c'est à mon âge, moi là, regarde, si tu me demandes mon prénom, c'est déjà beau si je le sais. Votre prénom? Je le dirai pas. Mais, non, ça, c'est la c'est un peu comme l'âge. Je veux pas dire mon nom ni mon âge. Puis, ah, oh, c'est gênant. Mais tout le monde, hein. Oh, puis on te reconnaît dans la rue. Ah, oh, salut, mon Raoul. Oh, non, j'ai pas dévoilé mon prénom. Je m'appelle mon Raoul. Il semblait aussi que vous étiez pas un Raoul. Ah, non, non, moi, je suis pas un Raoul. Moi. Ah, non, j'aime pas trop les Raoul. Ben, j'aime les Raoul, mais j'aime pas les Houl. Tu sais, les Houl. Oula, youlé, 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 vous êtes comme un homme de fantaisie. Ah ouais, mais je fais aussi de la danse de fantaisie. Mais ça, je vais revenir à ma danse. C'est parce que j'ai fait, je suis un metteur, comme je l'ai dit. Je suis aussi un émetteur, vous m'entendez? J'aime aussi au présent. Je suis pas juste à l'imparfait. Mais ça risque... Oui, c'est ça. Bon, on va revenir. J'ai fait la mise en scène de La Cigale et la Fourmi. Et il y a quelques années, j'ai même sur ces ondes ici récité le poème que je ne ferai pas parce qu'il se trouve sur YouTube. Je suis dans le temps, hein. Je suis dans le rythme. J'ai un petit côté africain aussi. Mais, ouais, c'est ça. Alors donc, j'ai fait La Cigale et la Fourmi. Et lorsque, à la fin, on dit, bien, dansez maintenant, c'est moi qui ai tout monté. J'ai monté la danseuse. Vous avez monté la danseuse? Oui, 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 oui. J'ai monté la danseuse. Ah, c'était des beaux souvenirs. Ah, c'est... J'ai monté la danseuse. J'ai monté. Ça veut dire que j'ai comme l'argile. Je l'ai montée de toutes pièces. Hein? Elle était à l'origine, elle venait du ballet classique. Je l'avais pris au ballet de Wollaston. Ça, c'est sur la 4e avenue à Québec. Et puis, donc, j'ai dit, toi, là, dans ton regard, t'as quelque chose de cigaleux. Là, elle m'a dit, ben, cigaleux, 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 galopons, galopons. Alors, on a galopé. Ah, tabarnak, que de beaux souvenirs. Ah, on a galopé. On a monté dans des sentiers, là, insoupçonnés. Mais tellement haut, ces sentiers-là, là, que, au mont, parce qu'on appelle ça, quand t'es en... Hein? Quand tu franchis la hauteur, t'es dans un... Je sais pas, un volcan. Un volcan? Non, pas un volcan. T'es-tu malade, toi?
Ça crache un volcan, ça, c'est comme à l'amour, hein? Ça crache, puis quand t'en reçois sur toi, c'est comme des c'est arrête donc, c'est comme de la cire, toi. Oh, mais il y en a. Non, mais j'en connais qui aiment ça, d'avoir de la cire sur lui, sur elle, sur eux, sur lui. Hey! On parle pas de ta vie privée, toi, là, là! Wow! Là, non, on parle que quand il y a des éclaboussures, là, ça fait mal, ça, là. Non, non, pas du tout. Un mont, pas un volcan, là. Bon, hey! Prends ça, relax, toi, là, là. Là, je regarde, là, ok, c'est bon. Oui, 47. Attends un petit peu, là. Chantez donc entre vous. 47, 17. J'ai mal compté ça, moi, là. 13, non, non, 17. On est 42. Voyons donc, je me suis trompé 17 minutes. On va faire ça en direct. 13 minutes 40. C'est code. Ouais, donc 47. Ok, 47. C'est 47. Ça fait que. Ouais, c'est ça. J'ai monté la danseuse et c'est comme ça que. Hey, t'es pas professionnel. Comment ça? Ben, devant tout le micro, t'as compté le temps que tu devais faire pour parler. Ouais, mais je veux pas déborder, moi, là. Ouais. Tu débordes souvent, là. Ah oui, je déborde souvent. Mais là, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ben, c'est ça, la cigale et la fourmi, c'est moi qui ai fait la mise en scène de la danse. Ah, ok. Bon. Alors là, on a entendu, parce que là, vous étiez parti, là. Ah, j'étais, mais je suis revenu.